La trajectoire budgétaire qui structure ce texte s'étend sur une période inhabituellement longue qui ne correspond pas à celui de l'exercice budgétaire sincère et plus encore aux enjeux du secteur et aux réalités politiques de notre pays. Ramener la périodisation du projet de loi à 2027 s'impose à nos yeux. L'horizon 2027 nous paraît être le maximum acceptable. En tout cas, c'est ce que réclament l'ensemble des acteurs de la recherche du pays et ce que laisse entendre fortement l'avis du Conseil d'État. Deuxième point essentiel, l'effort budgétaire doit se concentrer en début de période. L'accélération de l'histoire géopolitique, climatique et sanitaire nous impose de réarmer notre outil de recherche sans plus attendre. Mais nous formulons une critique plus fondamentale. À quoi bon une loi de programmation de la recherche réduite à son application socio-économique Tout se passe comme si recherche fondamentale, recherche appliquée et innovation avaient les mêmes objets, les mêmes temporalités, les mêmes exigences. En abolir le texte, on ne trouve pas de vision ample, humaniste, fondamentale de la recherche. Tout aussi étonnant, le texte semble oublier les missions et leurs conditions des principaux acteurs de la recherche en France, que sont les maîtres de conférences et les personnels administratifs de la recherche, qui sont les premiers de trancher de la recherche et de l'enseignement supérieur en France. Rien sur l'articulation si essentielle entre recherche et enseignement supérieur.